Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans votre let's play de Basement. On se retrouve en général, enfin en théorie, pour notre dernier épisode aujourd'hui. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai placé en général, mais c'est pas grave. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver, voilà, tout simplement pour terminer ce let's play. On refait rapidement un point sur notre territoire. Donc je vais baisser la musique puisque je deviens totalement sourd et je crie dans le micro. Et du coup je dis de la merde. Voilà, donc on est clairement sur notre QG principal ici qui fait production-vente. Là on est sur de la petite prod sympa, là on est nulle part pour l'instant. On est sur de la vente ici, ça se passe plutôt pas trop mal d'après ce qu'on voit. Pas trop de soucis là-dessus. Donc là ça génère pas mal de fric. Ici on est en prod. Très bien, ça se passe bien. On a également un point de vente ici où il n'y a personne dedans. Lol. Lol, le mec a dû mourir. Mets-toi. Voilà. C'est bizarre. Bon bref, du coup on a un point de vente ici, super. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On regarde. Il est prêt à attendre, super. Notre poste sécu, il va falloir dispatch les gens là, sinon ça va être la merde. Ici on va se faire un poste sécu. Ah bah non, on peut pas. Ça sert à rien, on peut rien faire de cette pièce, vraiment rien du tout. Là on est sur un point de vente assez massif. Donc c'est très important de bien vendre ici, là il n'y a rien. Également un bon marketplace de vente ici. On est sur de la prod ici. Là sur de la vente future. Donc ça a l'air de bien se passer, sauf qu'on n'a pas de quoi alimenter ici. Très bien. Ok, là il n'y a rien. Voilà, c'est juste rien. Et là c'est de la prod. Ok. Bon, on n'est pas trop mal. Ah ça y est, on va se faire attaquer par les flics. C'est Ending Palace qui va se faire attaquer. Évidemment, c'est l'un de nos plus gros spots de vente. Donc ce qui va se passer, les amis, c'est qu'on va ramener un petit peu toute la clique, j'ai envie de dire, de gardes que nous avons pour défendre le territoire parce qu'on ne compte pas payer. On les emmerde. Donc on a des flics en déplacement. Merde, ils vont où alors? Merde! Ah, ils vont au Ending Palace! J'étais en petit machin. Ah putain, j'ai fait le con. Oh, y a personne en plus à Ending Palace, quoi. Ah, la bullette. On a plus de garde, du coup. Lui, on va le faire livrer. On va le faire livrer, au pire. On va le faire venir là. Comment tu t'appelles, toi? Jérôme. Jérôme, Jérôme. Tu vas quitter le coin sinon tu vas te faire défoncer la gueule. Ah non, au pire, on ramène tout le monde. Voilà, là on peut le refaire. Bon, il devrait pas être 36, hein, mais bon. On a 10 secondes pour qu'il fasse tout le territoire là, c'est chaud. On va se faire défoncer. Hein. Bon, désolé Jérôme, tu es Delta Charlie Delta. Hein. Donc on a le choix en fait de payer 4000$ quand même ou fight. Fight. Désolé mon ami, tu es une ressource. Oh merde. Ah du CRS quoi. Ah man. Merde. On va se faire déboîter les gars. Ah c'est bon, on aligne là. Non mais oh. Rien à foutre hein. On est des ouf nous. Bon on va embaucher du coup. Prod. Non, c'est sell rate que je cherche. Voilà. Ok, bon, on a perdu deux soldats, mais ça se passe très bien. On va dispatch un peu les gens du coup. Alors, vous avez vu comment ça se passe du coup quand vous avez un mec qui vient vous chercher des noises qui est de la police. Mathieu. Ici, on s'en fout. Ici, c'est un point de vente, il nous faut quelqu'un. Tom. Ici il faut qu'on protège Thomas. Là John. Hop. Voilà. Là on va mettre Ick. Il est où? Et on a Claire encore après. Et il est au marketplace, lui, on va pas y toucher. Ok, donc il nous manque deux gardes. On va les embaucher.
nos gardes ont une durée de vie super longue. Attention quoi. Reroll. Il est pas mal lui. Pas mal. On a donc Darren et Todd. Très bien. Ici il nous faut quelqu'un. Darren. Ici on s'en fout. Et là il nous faudrait Todd. Comme ça au moins. Voilà, tout est secure. Là je sais pas si on a mis du monde au bunker. Ouais, là oui. Et au bunker on a personne par contre. Mais on a atteint notre limite. Ok. Bon, on se fait de la maille dans l'histoire quand même. On se fait pas mal de thunes. On va essayer de capturer ça, ce serait pas mal. Par classe toujours. Déjà envoyer un petit peu notre personnel là. Je pense qu'on va se faire recter mais sévèrement les copains, hein, parce que ce genre de type, regardez, 25 de damage. En gros, ça nous touchote vénère. Hein, voilà. C'est pour ça que c'est un peu le bâtiment le plus chaud de la map à prendre. À bien voir, mais on va se faire défoncer. Hein. C'est sûr. Allez, dernier camion. On est riche, hein, les amis, on est riche. Regardez. On a un bon business model. Ah, on se fait déboîter. Voilà. On va faire tomber un flic, super. Je peux le diriger pendant qu'il est dedans? Non, je peux pas. Ah, dans tous les cas, on est foutu. Et voilà. Salut! Bon déjà l'avantage c'est que les hommes qui sont tombés à terre, voilà au moins, on va prendre lui, c'est qu'il repop quoi, il repop pas pardon, donc du coup au final on est bien, ceux qui sont tombés ils sont tombés quoi. Voilà super, et on va attaquer direct. Je veux ce bâtiment. Voilà. On lance une attaque. Bon, lui, il va y passer. Lui aussi. Ces deux-là, je suis pas sûr. Mais eux, ouais, aussi, je pense. On est pas mal. On gagne tellement d'argent, les amis. C'est ouf quoi. Ici il faudra un peu de bleu. Ce sera agréable quand même. On achète un petit bus. On lui dit de prendre que de la bleue pour le marketplace. Voilà. Et par contre il peut le prendre à la base. Ici c'est un point de vente donc on va éviter l'anti-place. Hop, tac, tac. Anti-place. Et puis après je crois que c'est bon. Ça en touche pas. Là il peut. Là il peut livrer. Là il peut prendre. Là il peut prendre. Ok, ça se passe comment ici? Attention! Ça y est, ça attaque. Bim. Au revoir le poulet. Direct KFC dans la manette. Oh, on va se faire recter en bas, mais d'une force, quoi. Mais ah, on a peut-être une chance, en fait. Ou pas. Ah si, peut-être. Ou pas. Le mec, il nous a one-shot en bas, quoi. C'était d'une puissance. Ok, salut, quoi. Ah mais il tape le premier aussi, c'est pas juste quoi. C'est pas normal, je suis pas d'accord.
Ok. Allez, hop, et on les renvoie. Il n'y a plus grand monde de toute façon. Trois types, ça devrait suffire pour se les faire, je pense. Ça devrait être pas mal. Alors je pourrais attaquer les deux en simultané, sauf que bon, si j'attaque le dernier bâtiment, c'est on gagne la partie. Donc au final, 10 minutes de vidéo, les amis, ça me fout un peu les boules. Surtout que j'aimerais développer ce bâtiment. Bim! Mec, il m'a donné deux coups de boule, je suis tombé direct, quoi. Voilà! J'ai eu peur. On a eu un freeze, mon gars. Je me suis dit, c'est bon, le jeu a planté. C'est pas bon du tout. Ok, on a fait toutes les caisses. Les pièces, donc du coup, y a un point de spot ici, ouais. Essayer de faire ça bien. Alors. Déjà, ça je le démolis. Déjà, on va faire tout en bas. Commencer par ça. Hop. Ça on le démolit aussi. Super. Le masque bleu quoi. Ça va faire un truc de ouf bleu quoi. Ok. Alors pour l'instant on va mettre du stockage en dessous. Deux points de vente c'est pas rien. Hein. À déjà remplir ici. Production intéressante. Aussi. Déjà voilà on est bon. Hop. Ah, ça me paraît bien déjà. Ici on va mettre des vendeurs. Ah, d'excellents vendeurs s'il vous plaît. Voilà. On refait de la bleue. Et voilà, un full bleu ici, c'est cool. Mettre une salle de repos quand même là et du stockage. Super. 2-4. Je veux les meilleurs. 2-4. Ouais, de la vente de bleu exclusivement ici, on va voir si ça fonctionne. Ça peut être sympa. Hein. Et les mecs, ils vont extrêmement rapidement, c'est le bonheur. C'est quasiment déjà rentabilisé, j'ai l'impression. On est vraiment bon. Alors regardez un peu se remplir rapidement. On va le laisser bosser. Y'a personne au PCCQ? Ah si. Ah si, y'a des gens. On a Eddie. On va transférer tout le monde à la basement avant que tout le monde crève.
Comme ça au moins. Site de construction. Tous ceux qui sont en site de construction, on prend. Voilà. Comme ça au moins. On va rester en vie. Toujours ça de gagner. Ici on est bien. On a franchement quelque chose de très équilibré. C'est une bonne partie je pense hein. Là au final on a fait un truc full bleu. C'est pas mal, je suis content. Et ça se vend. Donc ça c'est vraiment très très bien. Alors on atteint les 50 000. Et puis je propose qu'on lance le raid. 50 000 on est déjà à 44. Donc ça se passe très très bien. C'est vraiment ce truc qui va nous rapporter masse de thunes. Hein. On pourrait presque... Ah non, j'allais dire le détruire et faire de la vente, mais pas possible. Ah, c'est vraiment pas mal. En bas, c'est clean, c'est stable. On n'a jamais de stock à zéro. Oh! On a un assaut policier. Attention, ça craint. Chez Rap Dude. Ah merde. Ouais, c'est un point de vente quoi. Ok. On a 30 secondes pour ramener des unités sur place. Ou, bien évidemment, on a le choix de payer, bien évidemment. Mais bon, c'est pas notre politique maintenant qu'on est riche. Allez vous faire reculer, hein. Ça devrait le faire. Donc les mecs arrivent. Voilà. On a les renforts. Surtout que là, ils peuvent récupérer un camtar, hein, du coup. Donc c'est assez gênant. C'est vrai qu'il faudrait que je prenne un vendeur. Très bon vendeur, celui-ci. Ah, tout le monde est là. Fight! Ah, il attaque le vendeur! Merde, mon colis! Ah, le bâtard! Ah, défoncez-moi ça, les gars. On est comme en sous-effectif, je dirais. Arrête dans ton coin, copain. On va te ramener des renforts immédiatement. Parce que là, c'est le beau gel. Ils sont rentrés en mode JOJN. Attention quoi. On récupère notre camp les amis. Oh, on est en pleine attaque, on peut pas ramener de gens. Oh il l'a couché. Oh croisement dans les escaliers, attention. Grosse ambiance. Ah c'est chaud hein. Ah, qui nous met deux coups. Ouais, ouais, on va perdre, on va perdre. Quoi? Il y en a deux? What the fuck, ils ont copulé ou quoi? Et on a perdu le territoire. Ah, fuck, fuck. Ça va chier des bulles, les gars. Ah, ils ont vidé aussi les... Ah, putain, ils ont fait une saisie, du coup. Ah, merde. Ouais, ils ont éclaté un junkie. Ah, ils ont fait une saisie de tout ce qu'on avait mis là, putain. Ah, les bâtards. Ah, c'est chaud, quoi. Ah, les mecs, ils ont tout saisi. Ah, les boules. Les boules, quoi. Ok. Bon. On avait dit clairement qu'en gros, à 50 000, on faisait une attaque. La dernière. Donc c'est parti. Et pour cette attaque, on va pas faire une attaque de PD. On va mettre tout le monde, tout le cartel sur la gueule du dernier bâtiment. Parce qu'on est des gros malades. Et c'est qu'on s'en bat les steaks de la vie. J'ai filé un peu de coke à tout le monde pour qu'ils se sentent super forts. Ça serait drôle d'avoir moyen de doper ses gardes pour avoir
un peu de vie supplémentaire ou de force supplémentaire le temps, tu sais, d'un temps donné, quoi, tu vois. Et drogue garde ou un truc comme ça pourrait être super drôle. C'est une idée d'upgrade à proposer. Parce qu'au final, on produit, mais personne n'y touche, alors lol, quoi. Voilà! À faire une attaque de malade, les amis. Regardez-moi ça. On est combien là? Il y a 24 types, plus 8, plus 16. On va les défoncer. On ramène tout le cartel. Tous les camtars qu'on peut. Allez, zou. Ah, ça va être une attaque, je peux vous dire. C'est Mastoc attaque, quoi. On va les ruiner, quoi. Du coup, il n'y a plus de vente, il n'y a plus rien, certes, mais bon, on va les ruiner. Les deux derniers, peut-être. Non, encore là. Allez, on a vu tout vidé, quoi. Oh putain. On lâche trop de clients tombés, c'est abusé. Allez, on rentre. Bon, c'est les vendeurs qui rentrent les premiers, ils vont se faire laminer. Ah, les vendeurs. Les vendeurs sont rageux, les vendeurs veulent vendre. Et c'est fait aligner la gueule. Là, c'est les gardes, ça y est. Les chimistes. Ah, je crois qu'on a pris le domaine. Faut juste qu'ils rentrent tous. Merde, si le jeu plante pas, j'ai envie de dire c'est lol. A peut-être vu un peu grand là. Ah merde. Et voilà les amis, ça y est, on a terminé de Basement. Alors oui, c'est un jeu qui est en cours de développement, bien entendu. Donc c'est quelque chose qui va être encore amené à évoluer, tout simplement. Donc bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Moi ça a vraiment plu. J'espère avoir de bonnes grosses updates très prochainement. Et puis c'est un jeu qu'on suivra ensemble les amis. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je vous encourage en tout cas à vous abonner, bien entendu à nous retrouver sur les différentes émissions que nous pouvons vous proposer, telles que des let's play, que des first level, des gameplay également, des séries un petit peu plus spécifiques, comme mon travail sur GTA 5, GTA 4. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis, avec grand plaisir. Allez, ciao.